L'alva indien au lait de coco, une recette végane. Peut-être avez-vous déjà goûté dans un restaurant indien ce fameux dessert à base de semoule et de carottes que l'on appelle alva ou alwa. Nous vous proposons de découvrir une version végane de ce dessert traditionnel, la recette de l'alva indien au lait de coco. Ingrédients. 400 g de carottes, 3 cuillères à soupe d'huile de coco, 30 cl de lait de coco, 3 cuillères à soupe de sucre complet, 2 cuillères à soupe de semoule fine, 2 cuillères à soupe d'amandes effilées, 2 cuillères à soupe de raisin sec, 1 cuillère à café de cardamome en poudre, ou d'épices pour pain d'épices. Préparation. L'alva indien est une sorte de gâteau de semoule agrémenté d'amandes effilées, de raisin sec et d'une généreuse quantité de carottes râpées. Un pelé et râpez finement les carottes. 2 dans une casserole à fond épais. Faites cuire les carottes dans l'huile de coco en remuant souvent pour qu'elles n'accrochent pas. Copyright. Audrey Vautreau 3. Faites-les compoter à feu doux et à découvert pendant au moins 20 minutes jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres. 4 dans une autre casserole. Mélangez le lait de coco avec le sucre complet, les épices, les raisins secs et les amandes effilées. Ce mélange va vous servir à cuire votre alva indien au lait de coco. Copyright. Audrey Vautreau. Cuisson. Faites chauffer le mélange à base de lait de coco à feu moyen jusqu'à ce qu'il frémisse. 2. Ajoutez la semoule et les carottes râpées pré-cuites. Copyright. Audrey Vautreau 3. Faites cuire cette préparation à feu moyen pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elle épaississe. 4. Versez ce gâteau de semoule dans un plat de service ou dans plusieurs ramequins individuels. Copyright. Audrey Vautreau 5. Laissez-le refroidir au moins une heure avant de le servir dans les ramequins ou couper en petites parts. Copyright. Audrey Vautreau t'a noté. Vous pouvez servir ce alva indien au lait de coco à température ambiante ou froid, après un passage au réfrigérateur.